Celle-là, c'est ma préférée. Elle fait briller les yeux. Vraiment ? C'est moitié prix si t'en prends deux. Waouh ! Encore toi ? C'est ta boutique ? Non, c'est à mon père. Ah. Combien ? 800 roupies, s'il te plaît. 800 roupies ? Ok, ok. Pour toi, 550. Incroyable. Alors, ton père te laisse souvent seul ? Non, il est parti combattre les rebelles. Ah. C'est l'armée indienne qui l'a enrôlé. Non, il était volontaire. Vraiment. Eh bien, si j'étais ta mère, je ne te laisserais pas seule ici. Bon, en voilà 300. J'ai une meilleure offre. 400 roupies plus ganache. Ah, t'es sûre ? Il est cassé, regarde. Tu ne connais pas l'histoire ? Ganesh s'est battu contre Parashurama alors qu'il gardait la porte de son père. Oui, pour défendre l'honneur de son père Shiva. Et il s'est fait couper la défense dans la bagarre. Intéressant. Mais bon, il n'est pas à vendre. Pile à l'heure. Bon alors, 600 roupies, garde-monnaie. Il te faut un guide. Ah, et ça me coûtera combien? Je monte dans ce camion avant qu'il s'en aille. Bon, ton Ganesh, tu en veux combien, dis-moi? Il est pas à vendre. Excusez-moi. Quoi ? C'était pas mal. T'as un bon coup de poignet. Mais rends-moi mon Ganesh, s'il te plaît. D'accord. Bien tenté, jeune fille. Les gens n'ont pas le droit de traverser le pont. C'est trop dangereux. Écoute, petite, on s'est bien amusé. Mais il faut que tu me laisses maintenant. J'ai un lit de libre dans la boutique. 300 roupies. C'est le meilleur prix de toute l'Inde. Merci, mais non merci. Je dois monter dans ce camion. Mauvaise idée. Les rebelles, ils font du mal aux gens. Écoute, je dois aller aider mon ami, ok ? Écoute ça. À mon retour, je t'offre une pizza. D'accord ? Ok. Bien. Merde ! Oh, fais chier !
Non. C'est mon papa. On mangeait une glace et je l'ai perdue. Je veux pas rentrer sans lui. Ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se tenait juste là. Attendez, il est là. Les pauvres gars. Ok, une porte rouge. C'est ça? C'est mieux que rien. Et voilà. C'est juste une zone de guerre active. Rien de vraiment bien méchant. Qu'est-ce qu'il faut encore là? Fuyez pendant qu'il est encore temps. Allez, on y va! Il est là! Qu'est-ce que vous faites? Dehors, bouge! Merde! Arrête! J'ai rien fait du tout! Salut, brute. Quoi? Sors de là! Non. Allez, non. Affaire! Il ment! Non! Dans le camion! Mets-toi! Faites une erreur. Je le jure, je t'ai dit de monter tout de suite. Hey, doucement. Tu veux quoi, l'urgence? Toi, avec moi. Qui me dit que t'as pas quelque chose d'illégal sur toi? Lève les bras. Hey. C'est dangereux de se promener toute seule. Hey. T'habites où? T'es sourde? Réponds-lui. Je t'ai demandé où t'habitais. À Rafta. Quoi, putain, je suis occupé. Je m'en contrefiche. Oui, chef. Rejoignez-moi vite. Compris. Toi, suis-moi. Mitrailleuse. Chef, et pour elle. Laisse-la passer. T'as entendu? File. Heureusement pour eux que j'ai autre chose à faire. Porte rouge, c'est bon. Super. Je fume pas. Toi, tu sers à rien. J'en veux pas si je peux pas le vendre. Voilà le travail. Viens là, mon ami. On est à pouvoir. Ouais, au moins, on pourra un peu les rues. Merde, ça se rapproche. On va rester dans les rues. Finis le service dans une heure. J'ai le sommeil. Tu peux dormir dans le camion. Non, merci. C'était le dernier ou pas? Presque.
Il en reste encore deux dans l'allée. On bouge ce soir? J'ai hâte. J'en peux plus de ces gens. Non. Ça va dire une semaine. Encore une semaine dans ce putain de 3A. N'oublie pas l'objectif final. T'as toujours la bouteille d'arak à la noix de coco? Peut-être bien. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Ma gratitude éternelle. Ça va pas suffire. T'as réussi à dénicher une bouteille d'arak? Au bout de la rue, là-bas. Ce type en avait toute une collection. Tu crois qu'il en reste? J'ai pris que 2 bouteilles. J'irai voir plus tard. Pink Lotus. Mais qu'est-ce que c'est? Elles n'ont rien vu venir. Merde! Je suis avec Assad et je chasse des artefacts partout en main. J'ai hâte de me battre pour de vrai. Cet endroit est merdique. Quand est-ce qu'on va se battre contre les tyrans? Assaf dit qu'il lui faut du temps pour se préparer. Le gouvernement nous fait des cartes. Ça va plus durer très longtemps. Pas tant qu'on n'aura pas vidé cet endroit. Chaque détail compte. On doit rester dans l'ombre. L'armée a des yeux partout. Bientôt, mon ami. Oh la merde. Bon. Je suis en zone de guerre. C'est pas vrai. La merde.
L'armée indienne fait pas les choses à moitié. Ah, le Pink Lotus. J'imaginais autre chose. Deux cibles. L'entrepôt et une autre. T'as mal choisi ton endroit, ma belle. C'est quoi ce bordel? Tu joues à la fin. Je te croyais professionnel. Oh, tu devrais te détendre. Tu vivras plus longtemps. Me détendre? Ça m'a pris des semaines pour pister à Sav. Y a pas plus imprévisible que lui. Encore un seigneur de guerre qui n'a plus de guerre. Tu le connais pas comme je le connais. Il change de lieu et d'organisation toutes les heures. On peut pas se permettre de prendre ce genre de risque. On? Je vais être très claire. C'est moi l'experte. Si tu veux ta part, on va faire ce que je dis. Alors, tu te décides? C'est le barbu. J'aime mieux ça. Il est pas mal. Si t'aimes les psychopathes. Personne n'est parfait. Où est leur base? Balcon, dernier étage. Je vois. On y va. J'avais planifié un itinéraire dans les rues, mais ils vont nous chercher maintenant. Tu suggères quoi? Je vais trouver une solution. Je t'aide à monter. Et voilà. Merci. Suis-moi. C'était pas si compliqué. Qu'est-ce qu'il y a encore? Patience. Là-haut! Tu rigoles? Non.
Allez, par là. Tu réalises qu'on s'éloigne du repère d'Assav, non? Ouais, on fait un détour. Je comprends pourquoi t'es toujours en retard. Je vais l'éliminer. Non, je vais l'éliminer. Cobra 1, Cobra 5, à vous. Bien reçu, Cobra 1. Allez, au pitch bloqué. Ça bouge par là-bas. Terminé. Reçu, Cobra 1. Merde. Bon, on va où maintenant? En haut? Ah, ok. J'étudie juste le futur. En tout cas, elle mérite bien sa réputation. Désolée. Et si on évitait les caisses à partir de maintenant? Ok, c'est bien. Juste devant. C'était quoi? Merde. Je suis sûr d'avoir entendu quelque chose. Fourniture de bureau gratuite, si tu veux. T'es toujours aussi bavarde quand tu bosses? Ouais. Un problème de moins. C'est juste au-dessus. Tu vois, c'était pas si compliqué.
T'as quoi, c'est vrai? Ça prendra qu'un moment. En voilà un. Ça marche aussi. Trouvons le disque. Merci infiniment. Tu surveilles nos arrières ? Chez un antiquaire. Il a pas perdu son temps. Il y en a pour combien, d'après toi ? Assez pour que sa petite insurrection tienne un moment. Marchand d'ivoire aussi. Enfoiré. Ça te choque pas? Tout ça, c'est des artefacts indiens. C'est pas mon combat. Ah, Lakshmi, déesse de la richesse. Je vais emprunter ça. Fraser, viens voir. Tu crois qu'il est là ? C'est fermé. Pas pour longtemps. C'était quoi cette carte ? Les Ghats occidentaux, territoire des Rissala. Oh merde ! Non, tout va bien. Rien qu'on sache déjà. Nadine Ross. Quelle bonne surprise. Attention, camarade. Ce tigre a des griffes. Asav. Après toutes ces années, tu n'as pas pris une ride. Pas une. Trop aimable. Tu cherches du travail ? Il paraît que tu as perdu la direction de Shoreline. Un
léger contretemps. Rien d'insurmontable. Bien sûr, bien sûr. C'est dommage. Mon équipe aurait besoin d'une personne de ta trempe. Qu'est-ce qui t'amène ? Et ça, c'est pas ton domaine d'habitude. Je dois dire que vous avez une très belle collection. Chloé Fraser, collectionneuse d'antiquités. Une voleuse. Tu travailles pour une voleuse. Monsieur, il y a un problème. Monsieur, le Pink Lotus. Quoi ? Quelqu'un a décimé notre équipe. À vous. J'arrive tout de suite. Le disque. Ah oui, puisque on en parle. Au début, j'ai cru que vous étiez un rebelle ordinaire. Oh. Mais vous avez réussi à mettre la main sur l'Empire Oysala. C'est pas mal. Mais leur plus grand trésor, la défense de Ganesh, ça sera pas aussi facile. Qu'est-ce que tu fais ? Trois invasions perses, trois guerres différentes, et après toutes ces années, personne ne l'a trouvé. On approche. Vous êtes perdu. Et désormais, votre seule chance de commencer à réduire la zone de recherche, c'est de trouver quelqu'un qui peut vous aider à... décoder cet artefact. Quelqu'un qui connaîtrait à fond la civilisation Oysala. Exactement. Un expert de leur culture et de leur histoire. Mes prix sont raisonnables. Un parasite qui exploite nos efforts dans le but de se remplir les poches. Ça veut dire non ? Je crois que ça veut dire non. Vous avez du cran, ça me plaît. Mais j'ai déjà assez de soi-disant experts. Tuez-les, jetez les corps dans la rivière. Inutile. On trouvera la sortie.